Alors, il n'y a pas de philosophie en tant que telle, mais la philosophie, c'est une façon de voir la vie. Et on fait aussi de la philosophie, même si elle peut paraître éloignée, un philosophe, en regardant ce qui est écrit dans le code civil. Pour moi qui suis juriste, en tout cas, bon, s'en tenir déjà à la stricte application du mandat serait déjà une excellente chose. Puisqu'on parle de liberté, à chaque fois qu'on déborde du mandat, toujours avec des bonnes intentions, hein. Quand un professionnel déborde de son mandat, c'est toujours dans une bonne intention. C'est pour protéger la personne. Mais si on la protège, on lui retire de la liberté. Ça, c'est une question philosophique. Jusqu'où on accompagne le majeur dans la prise de risque. Et on voit bien dans ce que disait le collègue de Gérone, de la Fondation de Gérone, que cette notion du risque, c'est une notion fondamentale aujourd'hui. Oui. En tout cas, vivre, c'est risquer. Peut-être pas la blessure, mais en tout cas, le risque, c'est la vie. Parce que pour finir, la tentation la plus commune chez les mandataires, c'est de mettre les majeurs dans une position, de tellement les sécuriser, de tellement bloquer toutes les possibilités de se faire mal, ou de se blesser d'ailleurs, on les met dans une petite boîte capitonnée, où ils risquent rien, mais ça s'appelle un cercueil, quoi.